OK, j'ai fait une erreur, je vais vous expliquer ça. Voici un aperçu de la page d'entrée. L'agenda aura à peu près la présentation de cette image. Aux alentours du 18 ou le 25 mai. OK, le site, il va changer, il va s'en venir, autrement dit, avec plus performant. C'est que j'ai envoyé le courriel, j'ai oublié de mentionner que, mettons que quand vous lisez, que vous écoutez lire par le narrateur, qu'il faut revenir dans le courriel parce qu'il y a trois autres sections à lire. Fait que je refais le courriel au complet pour toute la lecture au complet. Puis je vous invite à revenir dans le courriel pour prendre le temps de lire chacune des explications parce que j'ai donné des explications pour faciliter la compréhension. 25 mai. Bonjour. J'ai fait une erreur sans m'en rendre compte. J'envoie le courriel pour être lu. Pour faciliter la compréhension, je le fais lire par le narrateur. Le narrateur Denise fait la lecture, je mets le narrateur en pause pour expliquer certains paragraphes, ensuite le narrateur continue à lire. J'ai reçu plusieurs commentaires depuis ce midi, que c'est agréable à entendre lire, et plus facile à comprendre par les explications que je donne en parole. Souvent ce que l'on entend, est plus facile à comprendre, que de le lire. L'erreur que j'ai faite. Vous entendez la voix du narrateur, et la mienne quand je donne des explications. Vous voyez, dans le vidéo, le curseur jaune ombragé, chaque mot. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai jamais pensé de dire qu'il faut revenir dans le courriel, pour repartir la deuxième section du courriel. Je viens de vérifier les statistiques, il n'y a que deux personnes qui ont cliqué sur le deuxième lecture, et le troisième section, sans revenir dans le courriel, croyant que ça s'arrêtait là. Je refais le vidéo au complet pour toute la longueur du courriel. Je vous invite à écouter ce vidéo qui devrait être d'environ 8 à 10 minutes, puis de revenir écouter les quatre autres dont j'explique section par section. Revenez dans le courriel à la fin de chaque vidéo, tutoriel. Je m'en excuse, je plaide coupable. OK, j'ai mis une copie d'écran. Fait qu'en haut, autrement dit, il y a tout le temps un bouton bleu. Lecture faite par le narrateur. Fait que tout le monde a lu juste celui-là ici à matin. Fait que là, on continue à partir de là. Fait que là, il continue. Ça va bien aller. Bonjour FirstNam, LastNam. Vous êtes inscrit, devenu membre, ou vous nous avez demandé des informations concernant le travail avec l'agenda du Québec. Suite aux nombreuses pertes d'emplois, par cette pandémie du COVID, beaucoup de monde cherche du travail, surtout du télétravail. Je ne dis pas le malheur des uns, fais le bonheur des autres. Car, ce COVID m'affecte aussi. Mais, c'est un beau temps, pour démarrer ce concept. Amélioration de la présentation. Je me suis décidé à faire retravailler la plateforme. Le site sera en WordPress, avec beaucoup plus de fonctionnalités. En sélectionnant une région, la vôtre par exemple, l'activité la plus visitée, de votre région, ouvrira une image. Même chose, les activités d'une association qui auront eu le plus de clics, ces clics feront apparaître le logo de l'association dans la page. Et plusieurs autres trucs du genre. Même chose pour les commerces, ou les chaînes de commerce, qui auront été visitées, de la région d'où l'utilisateur provient, le logo du commerce s'affichera quelque part dans la page. Tout ça fera que les associations, les commerces deviendront importants pour votre travail. Votre travail deviendra attirant pour les activités et les collaborations. Fait que le premier courriel que vous avez reçu, vous avez arrêté là, sans vous en apercevoir qu'il y avait une deuxième lecture par le narrateur de 294 secondes. Dans l'autre, j'avais marqué 494. Je viens de m'apercevoir que j'avais fait une erreur de frappe. Fait que voici, on continue la deuxième. Commençons à commencer. Le poste de secrétaire publiciste, oublions-le pour une ou deux semaines. J'explique dans cette page les fonctions à faire pour les six postes. D'abord, il faut les connaître, pour en choisir un, même choisir les cinq, si ça vous convient. Je suis dur à comprendre, ici, n'est-ce pas? Je dis six postes, je dis tout de suite, choisir les cinq. Les cinq postes, ça voudra dire, vous voulez tout entreprendre, devenir le chef, et c'est bien correct, c'est excellent si vous sentez capable de gérer une équipe. Il y aura trop d'ouvrages, pour en faire plus que cinq, de ces postes. Je ne vois pas la même personne, vendre des forfaits, et rédiger des courriels d'invitation. Ce sera trop d'ouvrages pour la même personne. Tout entreprendre, ça veut dire être le chef de l'équipe. Publier offre emploi. Cette semaine, je vais publier une offre emploi, pour recruter des vendeurs de forfaits. Puisque vous êtes inscrit depuis plusieurs mois, en passant je vous félicite de votre patience, de la confiance que vous avez à mon égard. Vous êtes inscrit surtout pour travailler de la maison, pour la majorité de vous. Je comprends ça, et je respecte votre désir de travailler de votre domicile. Ça donne bien avec ces postes, car tout fut repensé pour tout faire de la maison. Suite à l'affichage pour recruter des vendeurs, il se peut que plusieurs candidats répondent pour devenir des adjoints, ou des secrétaires publicistes, car ce sont des postes très intéressants. C'est pourquoi je vous informe, car je respecte, le fait que vous ne vous êtes pas désabonné de nos envois, dans l'espoir que l'agenda du Québec aboutisse à quelque chose. Vous êtes devenu membre, ou vous avez demandé des informations, pour le travail offert, la raison de ce courriel, c'est que je vous donne la priorité, dans le choix de ces postes, avant d'afficher poste de vendeur de forfait. Si c'est encore votre désir, votre intention de travailler dans l'équipe, je vous informe que c'est en plein le temps.
Car avec la présentation du site, plus les circonstances des nombreuses pertes d'emploi, plus les affichages de postes sur les sites pour les chercheurs d'emploi, ça va bien aller, j'en suis certain. Mais si vous avez changé d'idée, je respecte ça. Vous avez deux choix, si vous ne désirez plus recevoir nos messages, vous pouvez vous désabonner dans le bas de nos messages. Si vous désirez suivre l'évolution du développement, vous avez l'intention de travailler avec ce concept, je vous invite à cliquer ici pour consentir à recevoir nos nouvelles. Aussi, vous pouvez vouloir suivre le dénouement du développement, sans vouloir travailler, vous aussi, cliquez pour consentir à avoir de nos nouvelles. Vous recevrez nos messages, si à un moment donné vous changez d'idée, pour travailler avec nous, vous serez bienvenu en tout temps. Je vous invite aussi à venir cliquer dessus, je consens à recevoir les communications, à ce moment-là, pour activer votre consentement. Vous n'avez rien à écrire, juste à cliquer dedans. Fait que là, je tombe dans la troisième section de 235 secondes. Mais après qu'on va avoir fini, revenez dans le courriel et les lire une par une parce que j'ai des explications dans chacune des sections. Secrétaire publiciste, le chef. Préférez-vous suivre le chef ou être le chef pour être suivi par vos adjoints? Je veux dire, pour gouverner votre équipe. Aspirez-vous à gérer, à administrer, à piloter une équipe? Vous surpassez, relevez de nouveaux défis, de l'ambition, est-ce dans vos désirs? Ne répondez pas oui tout de suite, essayez ces postes, un par un, pendant de 1 à 5 jours chaque, pour le connaître, puis ensuite, ne plus rien faire vous-même de ces tâches, juste de le répartir à des adjoints. Si vous ne connaissez pas le rendement de ces postes, ce sera impossible pour vous de demander à un adjoint de faire ça comme ça, si vous ne savez pas quoi il doit être fait. Le chef d'une équipe est en même temps chef de la région. En étant secrétaire publiciste, vous serez le chef, vous partagerez les tâches à des adjoints. Je dis partager, vous ferez faire presque tout par les adjoints et vous, ça vous en donnera autant qu'eux en gagneront, car vous serez le chef. Dans page, j'explique le travail de chaque poste, les revenus, les liens utiles pour ces fonctions. Je ne dis pas nécessairement vos équipiers, mais des adjoints. Car plusieurs adjoints de votre région ou des autres régions seront adjoints pour plusieurs équipes. En accomplissant la même tâche, comme du travail à la chaîne, ça deviendra de plus en plus facile pour eux, plus rapide, donc ils feront de plus en plus d'argent en maîtrisant les manières pour aller plus vite. Pour devenir chef d'une équipe, devenir le secrétaire publiciste de votre région, inscrivez-vous par ce formulaire. Contactez-moi, je vous aiderai à démarrer en vous expliquant les premières actions et en vous montrant comment trouver les vidéos de démonstration que j'ai fait pour chacune des actions à faire. En passant, j'ai plus de 150 vidéos sur YouTube. Sur Google, recherchez l'agenda du Québec, section vidéo, vous entrez dans ma page. Abonnez-vous à ma page YouTube. Ma page ou ma chaîne, je ne me souviens plus comment il appelle ça. Lorsque j'afficherai offre emploi pour vendeurs de forfaits gratuitement, avec la facilité de vendre des forfaits au commerce à devenir collaborateur, les régions se développeront de semaine en semaine. Lecture. OK, là on tombe dans l'autre lecture, celle de 112 secondes. Fait que prenez le temps en revenant, vous allez avoir d'autres explications. Parce que même quand j'affiche l'offre d'emploi pour rechercher des vendeurs, en réalité, ils donnent le forfait. Fait qu'à ce moment-là, il va y en avoir plusieurs, peut-être qu'ils vont vouloir aussi devenir secrétaire. C'est pour ça que je vous donne la priorité. On continue. Je dis vendre des forfaits gratuitement. Vous comprendrez que j'aurais dû dire offrir les forfaits au commerce, car le collaborateur n'aura pas à payer pour devenir collaborateur. En plus, le collaborateur n'aura pas à payer avant 3 mois, et s'il n'est pas satisfait, il peut tout arrêter ça là, sans pénalité. En vendant ce principe de publicité, sans charger la valeur du forfait, et même lui donner la possibilité d'essayer ce nouveau service de publicité, coûtant $8.00 par semaine, pour rejoindre de 50,000 à 100,000 personnes, durant 2 mois, le vendeur n'impose pas le forfait au commerce, mais c'est tout comme, n'est-ce pas? Dans la page partage des postes, je vous invite à lire quoi offrira le vendeur, il lui donnera le forfait, mais après les mois gratuits, vous ferez de l'argent chaque mois avec le collaborateur. Regardez la liste des tarifs, vous comprendrez ce que je veux dire. Robert Grandchamp, 450-421-2502 robert@l'agenda.qubec. Les liens suivants sont pour la page des postes expliqués avec les revenus de chaque poste. Il y a plusieurs informations, fait que après ça, revenez dans le courriel. Ici, j'ai 4 liens, 5 même, pour expliquer les différentes fonctions. Fait que je suis rendu déjà à 11 minutes, fait que c'est beau. Fait que la vidéo arrête là.